Du coup, on entre en mode YOLO. Bah, en mode simultané, tu sais, parce qu'on avait compté 5 ou 10 ouais. secondes, je sais plus, alors, de manière à faire un truc simultané. Alors, du coup, qui je vais faire agir en premier? Bah, du coup, on va faire par l'agilité. Ringo, tu fais quelque chose de spécial quand, en rentrant dans la pièce, tu défonces la porte en mode SWAT. Je sais pas, on peut y aller en mode discretos? Non. Ah bon, bah je défonce la porte alors. Non, mais c'est une attaque, on n'est pas censé être discret. Là. Bon, moi je défonce la porte alors. Ça c'est égal. Mais si tu peux éviter d'alerter toute la maison, c'est quand même mieux, je pense. De toute façon, comme Sega va défoncer le mur, je peux défoncer la porte hein, sur un écran. Si on est je défonce pas le mur, hein, c'est silencieux l'ouverture d'un passage dans le mur pour moi. Ah merde, okay. Alors, du coup, tu entres et vous voyez la disposition de la salle. Sega, je le savais. Je te l'ai pas dit pour. Je me suis totalement fait avoir. Voilà, je te l'ai pas dit pour justement pas briser le plaisir, mais je savais que ça qu'il y avait une petite pièce. Du coup, le garde, il est surpris. Et puis de toute façon, tu as plus d'agilité que lui, donc je t'autorise à l'attaquer. Juste, c'est le même ennemi que j'ai analysé la première fois. Oui, c'est les gardes. Ils ont les mêmes stats. Donc ils ont 20 PV. Ils ont 20 PV, oui. Putain. Rejoins ils ont 20 PV, ils ont 4 de def. Rejoins-moi vite, s'il te plaît, Sega. Attaque magique. T'en fais pas, je vais te rejoindre aussi vite que t'as rejoint JDR pour la partie. Oh non. Non, je blague, t'en fais pas. Mais oui, c'est raté. En plus, c'est raté, fais chier. Du coup, tu lances une attaque magique, mais dans... Dans l'action, entre ouvrir la porte, voir découvrir la disposition de la pièce, tu tires à côté. Tu tires dans le mur. Parce que je suis nul, voilà. C'est et le garde donc qui était assis à une table au centre de la pièce, donc il se lève, il prend sa lance et il s'apprête à te foncer dessus. Mais avant ça, vas-y Saiga, traverse le mur. Le troll. Ouais. Oh, cette porte-là, mais oh, c'est horrible. Et là, je vois le tour et je me dis, zut. Viens m'aider, SVP. Bah, je sais pas si je peux y aller en un tour, du coup. Tu peux arriver jusqu'à la porte. Tu peux traverser la pièce et arriver jusqu'à la porte. Mais pas l'ouvrir, par contre. Attends, j'ai combien de PV, déjà? Oh, ben, ça passe. Donc, le garde fonce vers toi, Ringo, et essaye de t'attaquer avec sa lance. Ça passe. Putain, mais c'est toujours le garde qui réussit. Ouais, j'avoue. Bon bah, j'essaie d'esquiver. Ouais. Ok, ça change décidément d'une fois à l'autre, hein, les attaques de priorité. Oh. Jolie esquive. Ouais. C'était le tour qui servait à rien. Oui, donc ça passe. Non, j'ai 70. Ouais, voilà, ça passe. Ça passe large. Donc Ringo, vas-y, essaye de contre-attaquer. Hop, bah... Attends, j'ai combien de force déjà? Bon, je suis un peu kakako, mais bon, attaque magique. Oh, ça passe. Sky, t'as foiré une... Hein? T'as foiré, t'as découvert une partie de la salle du gars. Ah, oui. Il rate son esquive là, on est d'accord. Ouais, il la rate. Oui. 15 PV. Oui, mais c'est pas grave, de toute façon, cette pièce, voilà. C'est... Vous pouvez vous douter que c'est une pièce carrée là. Donc, il rate son esquive. Tu as fait 5. Il se prend 3. C'est au garde là. Ouais, c'est au garde. Toujours en dernier donc. Bah oui. Merde, j'ai oublié, j'avais une compétence que j'avais débloquée. Il continue de t'attaquer avec sa lance. Oh, d'ailleurs, il a réussi là. Ouais, il a réussi. Ah oui. J'avais complètement oublié d'ailleurs. J'ai encore un échec critique. Alors, comment. C'est toujours toi qui te les prends. Comment te dire, Ringo? Oui, enfin, tu t'en es pris aussi, Gengetsu. Oui, mais bon. Comment te dire?
Alors là, ça va être violent. Parce que. Donc, tu es rentré, tu as essayé de l'attaquer, tu t'es raté. Il a foncé sur toi, mais tu l'as esquivé. Sur le coup, tu n'as pas pu répliquer, mais lui, il a pris l'opportunité. Il a vu que tu t'étais bien raté, en fait. Tu t'es viandé, en fait. C'est-à-dire que vraiment, tu t'es laissé complètement à découvert. Et lui, en fait, avec sa lance, il te plante dans l'épaule. Aïe. C'est un peu je voulais ouais. dire carrément dans le mur, mais bon, ça. Non, non, il te plante pas dans le mur, mais tu es effectivement. Enfin, il te transperce pas, mais voilà, il te colle au mur. C'est pas très gentil. Et tu te prends tous les dégâts. Ça aurait pu être plus vache que ça. Mais... En revanche, du coup, une attaque, ça va être une attaque d'opportunité. Effectivement, tout à fait, Seiga, il ne te voit absolument pas venir. Ah bah là, pour le coup, s'il voit pas derrière. Encore pour une fois, qu'elle passait par la porte. Mon sacré fils n'aura pas été vain. Donc vas-y, Seiga. Il reste combien de points de vie à peu près? Il 7. Était à 15. Attends, il reste combien là? 17. Ouais, c'est ça. Ok, je lance aura incandescente sur Ringo. Mais. Putain. Quoi? Mais tu veux pas que je te protège ou pas? Ah si, si, si. Ah si. Ça te brûle pas, hein, Ringo. Oui, ça brûle ceux qu'il y a autour de toi. Lors du début de ton tour. Et vu que le début de ton tour, c'est juste à. Bon bah, c'est quoi? Ça passe alors. Décidément, c'était la meilleure compétence ever, et du coup, je lance mon dégât. T'as pas vu qu'il y a des réussites avec? Stay, je te propose un truc. L'aura incandescente frappe directement l'ennemi. Et en plus, je dépense rien. Alors, décidément, Seiga, l'aura incandescente est une technique vraiment. Alors, tu as mis des années à la maîtriser, mais là, c'est ta carte maîtrise. Tu sais maîtriser. Je n'ai pas censé être si bonne que ça, je veux dire. Tu sais maîtriser cette technique à la perfection. Tu vois l'opportunité. Tu te dis, c'est le moment où jamais le garde est vraiment au corps à corps avec Ringo. Tu lances ton aura incandescente sur elle. Tout l'espace autour d'elle s'enflamme et le garde avec. Il perd son équilibre, il te relâche un peu, il te relâche Ringo. Il prend les dégâts. C'est toi qui fais les dégâts, Seiga? Ouais. Faire un autre. Juste les bons dégâts. Enfin, après, c'est au début du tour de Ringo hein, que les dégâts se font. Après, je sais pas si avec le critique, il y a un truc. T'inquiète pas, j'ai une idée. Bah, de toute façon, c'est Ringo. Ouais. Bah, là, c'est le début du tour de Ringo, là, oui. Ouais. Et, du coup, c'est à moi, je vais utiliser Dango Punch. Nice. Ça améliore une attaque de base, moi je tente de. Non, par contre, vu qu'on est assez proche, est-ce qu'on entend le combat? Vous êtes pas proche du tout, hein. Ouais, oui, non, enfin, nous je sais pas si tu te rappelles, mais on est en train de discuter de l'électricité et des pouvoirs de Koichi. Et le cerveau. Améliore une attaque de base en ajoutant 2 fois X de dégâts pour X d'Ango consommé. Ah, c'est puissant, ouais. J'ai dû manger un seul d'Ango pour le moment, donc... Oui, mais c'est les d'Ango consommés sur le moment, je crois. Ah oui, c'est vrai, je dois en manger un en plus. Bah écoute, je prends le fraise et le citron qui me reste, et ouais, je le fais. C'est ça, tu fais une attaque de base et on fera plus 4. Ça passe. Donc... N'empêche, là c'est bon, j'ai fait les 3 succès critiques que Seja avait fait pendant le scénar. Attends, j'ai fait 10, donc... 19 de dégâts. Ouh la vache. Là on en a presque... Non, t'as pas fait. Bah parce qu'il y a l'aura incandescente. Ah, okay. Ah oui, au total, ouais. Ouais, on est d'accord, donc du coup, il y a 2 fois, ça reste. Ça fait 10, donc. Punch, c'est Ringo Punch. Ringo DPS. Tu fais juste assez pour le mettre KO. Bon, bah voilà. Ce fut. Ce fut rapide. Ouais. Je vais me mettre à côté de Seiya. Merci pour ton aide. Hein. Oui, tu étais dans une situation assez délicate. J'avoue que le plan qu'on avait préparé a pas trop fonctionné. Un plan qui dit qu'il y a une aura incandescente dedans ne peut pas rater. On se rappelle pourquoi.
Bon, bah voilà. On laisse jouer les deux autres ou pas du tout? Alors, moi, ce que j'aimerais bien savoir d'un point de vue purement joueur, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans cette salle, dans celle-là? Oui, oui, c'est vrai, dans les deux salles. Parce que je rappelle quand même que le gars était en train de parler tout seul. On peut explorer les deux salles ou pas? Ouais. Alors la salle dans laquelle vous êtes actuellement, c'est où il y avait le garde, donc je vous l'ai dit, en fait il était une table. Vous pouvez deviner que c'était... apparemment c'est encore une table dans laquelle on se repose, mais là cette fois-ci ça a plus l'air juste pour boire du thé. C'est un salon de thé, cette salle. Et la salle que tu as traversée, Sega, c'était une salle avec plein de plantes. Il y a rien de spécial de... Non, il n'y a rien de spécial dans ces salles. Donc du coup, il se parlait juste à lui-même et voilà. Hein ? Ouais, j'avoue, il parlait. Ça commence à faire beaucoup de cadavres. Ah ouais, c'est vrai, fouiller les corps, j'avais oublié. Bon, c'est vrai. Attends, tu veux que je le fasse ? Oui, si tu peux le faire. C'est tellement glauque. Fouiller le cadavre. Alors du coup, on fait un jet ou pas pour ça ? Non, je pense pas. Bah, vu que tu trouves rien d'intéressant sur lui, c'est pas la peine. Mais du coup, Sky, il priait peut-être, c'est pour ça qu'il parlait ou... Ah bah, ça, vous savez pas. Sky, t'as oublié ta caméra. Non, elle est là. Okay. Elle est là, ma caméra. Ah bon, bah voilà, j'ai fouillé. Du coup, j'ai dit à Sega, j'ai fouillé, il y avait rien. D'accord, bon, bah, ils ont plus qu'à... fouiller les pièces. Ouais, on laisse les... Vous allez dans les salles sur les côtés, là? Ouais. Oui, enfin, vu qu'on a laissé les trois corps dans le jardin, là, je crois que ça sert à rien de cacher celui-là. Ouais. Donc, ici, il y a juste une petite pièce, et là, il y a un autre escalier. Ah bah. C'est symétrique. Ouais, mais donc, oui. Ah, on a presque fini. Est-ce qu'on sait ou est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans ou pas? Ici, en fait, la salle qui est adjacente donc à la salle à laquelle tu étais, c'est une salle un petit peu comme c'est un petit peu comme la galerie, mais là c'est une salle d'art aussi. D'accord. Okay. On ne perd pas de temps à faire les retours. Parce qu'il reste que la salle d'art. Alors d'abord, on va revenir à Gengetsu, Rin, Fé. Qu'est-ce que vous faites? L'effet DPS. Ouais, bah, je rentre. Je... Alors, tu rentres et tu ne comprends absolument pas ce que tu vois. Tu vois des appareils électriques. On appellerait nous des disjoncteurs, des manivelles, des boutons. Tu comprends rien à ce que tu vois. Moi, je vais juste balayer la pièce du regard et si elle est vide, faire un signe à Aurine pour dire bon, moi, du coup, je vous laisse faire. Hein, c'est... Après, vous avez l'air de vous y connaître mieux que moi. T'as pas retiré tout le billard de guerre, je crois. Mais justement, je crois que c'est fait exprès. De quoi? De ce qu'il y a là? Ouais. Non, mais ça, c'est notre Ah bah oui, mais vous y êtes pas encore. La pièce, c'est celui qui termine là. D'accord, c'est juste un couloir, la pièce informatique. Oui, c'est une pièce. C'était une pièce tout en longueur avec des deux côtés des machines, des disjoncteurs, des interrupteurs. Donc Aurine rentre et te répond en disant bah oui, j'habite ici, je sais comment marche l'informatique ici. C'est l'électronique, pas de l'informatique, d'après ce que tu as fait. Oui, enfin oui. C'est... De l'informatique à Gensokyo. Mon Dieu. Bah, donc il ne tombe pas qu'elle fasse de l'info. Pas faux. Elle traverse la pièce, elle cherche le disjoncteur pour la sécurité, je ne fais pas faire de jet, elle connaît. Elle désactive, alors vous voyez pas la différence, mais ça coupe la sécurité qu'avait réquisitionné la secte et il n'y a plus d'alarme, il n'y a plus d'alerte en cours.
Bon, de toute façon, même avec une alerte en cours, les gens avaient pas l'air d'accourir par centaines. Bon, bah, les gardes restaient à leur poste. Ah, hein. À défendre, à s'apprêter à intercepter. Et surtout, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de pièces qui ont l'air vitales pour la sécurité de l'endroit ici. Par la salle informatique, mais la salle informatique était protégée en fait par les gardes qui étaient dans la grande salle à manger. Et c'est pour ça que si on était rentré par cette porte-là, on n'aurait croisé personne. De la protection efficace. Du coup, j'ai une question. Enfin, la porte par laquelle vous êtes passé, elle était fermée de l'extérieur. D'accord, c'est valide. Du coup, je suppose que vous vous retrouvez tous un peu dans le couloir. Non, j'aimerais bien poser ma question. Vas-y, les gars. C'est par rapport à tout à l'heure, ça fait un petit moment que je la posais déjà, mais quand j'avais écouté, tu sais, la porte pour détecter le garde, est-ce que j'ai réussi à entendre ce qu'il disait ou un peu ou pas? Car tu m'avais juste dit que j'avais entendu quelqu'un parler, mais... Tu m'avais pas précisé ce qu'il disait quelque chose, car c'est possible qu'il parlait à Koichi, peut-être. Ah. Bah quand même, t'aurais pas eu, enfin, ouais. Je vais quand même pouvoir passer un petit moment à regarder dans la pièce s'il y a pas un indice que Koichi soit passé par là. Tu ne trouves... Vas-y, fais un jet d'intelligence. Ouais, enfin, la présence magique, je la détecte que... c'est raté. Je suis maudit avec mes jets d'intelligence, c'est pas possible. J'ai pas vu. C'est Sega. C'est moi, je viens de fouiller la pièce pour voir s'il y avait pas des traces de Koichi. Et pour te répondre par rapport à ça, Ludo, ma présence magique, ok, je peux la détecter, mais si je suis inconscient par rapport à la détection, je peux pas détecter ce qu'on m'empêche d'être honnête. Du coup, donc, s'il y avait Koichi dans ma pièce, je ne saurais pas. Alors moi, je passais une petite tête par la porte ici, puis dans l'espoir de trouver Sega ou Ringo, et justement, je trouve Sega, je suis contente. Je vais faire. Moi, je passe vers Ringo. Promets dans ma pièce. Tiens, Sega, j'aurais besoin de toi pour fouiller le prêtre qu'on a vaincu tout à l'heure. Je me demande s'il porterait pas un sceau sacré ou quelque chose qui puisse ouvrir le sceau. Et j'assume que tu connais mieux que moi à la fois en secte de la sagesse mystique et en magie secrète de manière générale, j'ai besoin de tes conseils. Effectivement, c'est un bon raisonnement. Et bien, c'est avec plaisir que je donnerai un coup de main. Du coup, alors Gengetsu... Ouais, je préviens Ringo que du coup j'y vais quand même. Je me barre pas comme ça. Oui. Je peux sortir aussi. Tu peux sortir, oui, tout à fait. Je veux pas me sortir trop paumé, ouais. On est plus ou moins tous réunis, donc... Gengetsu, avant que tu rentres dans la pièce, Ring te dit que c'est probablement pas une pièce où il y a grand intérêt, parce que là en fait, la pièce d'après, c'est une salle de douche. Et en fait... Non, je disais, Ring veut pas que Gengetsu rentre. Non, pas qu'elle veut pas, mais elle l'informe juste que la salle d'après, c'est la salle de douche. Ouais, mais ça me frustre qu'il y ait un carré noir. voilà. Maintenant, il y a un carré gris. Mais... L'autre. En fait, ça va faire une spirale infinitésimale, t'auras toujours un morceau de carré noir qui restera... Oh purée, ça serait tellement génial. De nombreux orbes. Kyle le troll. La salle d'à côté, c'est une salle un petit peu, c'est des bains d'eau chaude. Je me demande. Un grand bain dans le chaud. Oh bah je plonge dedans. Non, je rigole. Genre, t'as fait un skin pour cette pièce. T'as fait une apparence, un design. Oui. Je peux passer je peux demander un truc à tous les joueurs comme en RP quoi, à moitié. Oui, vu que vous êtes tous réunis. Alors, je me disais, comme on a exploré toutes les salles. Ouais. Qu'on a découvert. Donc j'ai découvert un autre escalier. Ne serait-ce pas bien de se séparer à nouveau pour qu'une équipe aille d'un aille un.
Je suis pour. Je suis pour. Alors, avant, de ce que j'ai compris, tu disais que de se séparer pour emprunter les deux escaliers. Oui. Je tiens à te préciser que dans ce cas-là, qu'il y a trois escaliers. Ah, il y en a un troisième. Bah, oui, il y a celui du haut. Il y a les escaliers de l'entrée. Bon, bah, faut qu'on se sépare du coup. Moi, je passe par celui-là. Alors attends, parce que Gagnetsu, avant que tu fasses quoi que ce soit, enfin sauf... Alors après, je t'autorise, si tu veux, au milieu de la conversation, de partir. Non. Mais la dernière fois, ça s'est bien passé, après tout. Aurine vous dit, du coup... parce que, bon, là, au début, elle était... et elle est toujours un peu frustrée par rapport à Saiga, mais là, elle est un peu plus calme, donc elle prend davantage de temps pour vous expliquer. L'escalier, ici, mène à la bibliothèque du palais, qui est la plus grande pièce, donc c'est une très grande pièce. Celui qui est de l'autre côté, il amène en fait vers l'espace où il y a plusieurs chambres. Et les escaliers du hall, en fait, ils mènent à... Bah, déjà au troisième étage, mais ça vous le savez, au dernier étage, ça vous le savez déjà. Mais aussi en fait à la passerelle qui se trouve. Vous voyez, en fait, là, ces points gris, en fait, c'est des colonnes qui soutiennent une plateforme. Qui est au-dessus de la cour intérieure. Je tiens à dire aussi que moi, il me reste une clé que j'ai découverte dans la salle là-bas. Donc, elle servira peut-être dans une pièce pour pouvoir trouver la clé qu'on cherche, justement. Oh mince, est-ce qu'il y a un truc derrière les tableaux ? Tu veux retourner le voir ? Ah, si ça coûte rien, oui, je veux bien retourner le voir. Bah, ça va coûter du temps. C'est soit ça, soit je regarde le Kabushi, je suppose. Bah, je peux envoyer quelqu'un, enfin, on peut envoyer quelqu'un à la limite pour regarder les tableaux le temps que. Moi, je préfère pas monter. Y a-t-il une amatrice d'art parmi vous ? Alors, moi, je vais tout démonter, donc non. Bah, y a moi, techniquement, mais. Moi, je veux bien partir du côté de la musique. Alors, Aurine, t'arrêtes, elle te dit, j'ai envoyé les vérifier s'il n'y a rien caché derrière les tableaux. Ah bah non, de toute manière, il n'y a rien de caché derrière les tableaux, car tout à l'heure, j'ai dit que je regardais attentivement les tableaux et on m'a pas fait faire de jet. C'est que devait rien avoir, de toute manière. Il a essayé d'oublier. Très bonne remarque, Seiga. Du coup, Sky, je quitte la conversation et je passe par l'escalier. D'accord. Ok, je vais vérifier le Kanushi avec Rin, du coup. Le Kanushi avec Rin. C'est pas mieux que Rin aille avec Gengetsu, parce que vu que Rin peut se soigner, je me disais. Non. Non, mais Gengetsu a fait ses erreurs passées. Non, ouais, alors. Avec Gengetsu alors. Alors, Aurin, elle te suit, Gengetsu. Oui, puis bien sûr, je salue Aurin. Et je lui dis, j'en profite aussi pour lui proposer si elle a pas besoin de cours sur la nécromancie, car je m'y connais un peu et je peux peut-être lui apprendre 2-3 trucs sur son attaque la dernière fois. Elle avait pas tout à fait. Aurine te rétorque qu'elle a l'habitude d'aller à la surface pour emmener les cadavres de la surface pour les brûler dans l'ancien enfer, donc elle s'y connaît en matière de mort. Ça avait pas l'air lorsqu'elle a essayé de lancer ce sort sur Gengetsu. Elle s'en va suivre Gengetsu. Oui, j'en étais sûr, yes. Et d'ailleurs, Gengetsu, est-ce que tu te dépêches de monter ? Non, je prends mon temps. Mais je vole, hein. Attendez. Vous allez à... Oui, Ringo ? Enfin, vous partez où, c'est Gaïrin à l'escalier droit ? Éventuellement, ouais, pourquoi pas. Bon bah du coup, je vais à celui-là, là. Vu qu'on est sur le chemin... Oula, tu veux partir toute seule ? Je sais pas, je vais pas peut-être... On a dit qu'on se séparait de base, sauf que... Faudrait peut-être Viens peut-être avec nous, et puis on... Les deux groupes essaieront de donner rendez-vous... Ouais, viens avec nous plutôt, car... Ouais, et dans ce cas, les deux groupes essaieront de se donner rendez-vous au milieu, là, dans le hall... Je veux dire... Rin, tu pourrais me soigner, juste... Moi, avec un peu de. T'avais pas un dango pour te soigner ? Ah ! Peut-être me faire. J'en ai plus, je les ai tous utilisés. D'ailleurs, faudrait peut-être que j'en prépare.
Ouais, alors en parlant de ça, du coup, il y a une cuisine, je crois, ici. Ah bah, ça peut t'aider. Je vais rester là, je vais en préparer. Ok, bah on t'attend devant l'escalier. Hop. Effectivement. Alors, donc ça, là, ça se voit pas, j'ai pas fait clairement la sortie, mais en fait, vous sortez par là. Donc Aurine vous explique que voilà, ici c'est la bibliothèque. Gengetsu, fais-moi un jet d'intelligence, enfin d'observation. Je vais quand même le faire à Aurine. Je veux dire, c'est excellent car en fait dans cette équipe là. juste pour demander, la sword on l'a pas utilisée encore? Non. Gengetsu, alors que tu t'apprêtais à t'avancer nonchalamment dans la librairie, Aurine t'attrape par derrière, elle te met près de toi, elle te fait le signe de rester silencieux. Silencieuse. Si Germain. tu chotes qu'il y a des gens déjà ici. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? J'ai très envie de foncer dans le tas, mais vu ce qui s'est passé l'autre fois, non. Attends, t'es pas toute seule là, il y a Rin avec toi. Tu sais, Rin, celle qui est fiable, celle qui voulait elle aussi foncer dans le tas à l'entrée. Est-ce que je peux faire un jet d'intelligence pour savoir combien il y a d'ennemis dedans? Enfin, pour entendre s'il y a des gens qui parlent, peut-être. Oui. Si tu veux. Pour entendre ce que Rin a déjà entendu. Mais bon, ça passe pas. Bon, d'accord. Je peux faire un jet d'agilité pour essayer de rentrer tranquillement sans faire de bruit. Oui, tu peux essayer. C'est une bibliothèque, donc il y a des étagères à livres. Tu peux espérer te faufiler. Et il y a de la moquette sous les pieds. Là, je pense. Ça vaut un bonus. Bon, ça passe. Pas besoin de bonus. Donc je rentre avec précision dans la pièce. Je fais pas de bruit du tout. C'est une putain de blague. Non. Ah d'accord, je me dis aussi. Pour l'instant, tu ne vois pas d'ennemis. Je longe le mur, hein, ok. Ok, alors là, tu vois que il y a un ennemi ici. Il te tourne le dos. Je m'avance encore un petit peu, je mets ma tête pour essayer de voir ce qu'il y a. Alors le Kanushi, tu reconnais que c'est le prêtre. Il est pas assis, il est debout. Il a l'air inquiet par rapport à l'alerte qu'il y a eu. Donc il se tient sur ses gardes. Et il te tourne le dos. D'accord. Vois aussi. Si tu tournes la tête, tu vois aussi par là. Ok, donc. Alors ensuite, j'imagine qu'il y a les rayonnages qui lui bloquent la vue pour ces zones-là. Ouais. Est-ce que j'ai le droit à une attaque d'opportunité ou pas? Tout à fait. Et ben, je vais la tenter. Je suis en ange ou pas là? J'hésite. Hésite pas trop longtemps, sinon il va finir par te remarquer. Ok, je fais un tir mortel. Non, t'as pas le droit de faire ça. Alors, je croyais en toi. Pourquoi? Merde. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Alors, en fait, j'essaye d'invoquer Bugetsu là, donc. Tu essayes d'invoquer Mugetsu. Alors, ce qui se passe, c'est que tu invoques Mugetsu, mais pas à côté de toi. Tu fais l'invocation, tu te dis, bah, ça a l'air d'avoir marché, tout va bien. Et là, tu la vois tomber sur le garde. Enfin, pas sur lui exactement, devant lui. Elle s'écrase devant lui. Oh fuck. Du coup, bon bah, effectivement, il commence à regarder tout autour de lui. Il te regarde il crie alerte, il y a une intruse. Et il lance son sort pour invoquer les esprits. Putain, mais. Ça passe. Et intrus. J'aurais pas dû. Intrus au féminin, ça se dit intrus aussi, c'est juste un E qui est ajouté. D'accord. Et tu remarques qu'il y avait aussi des cartes dans la salle. J'aurais tellement pas dû. Oh mais Gengetsu, mais pourquoi ? Qui du coup se précipite vers toi. Putain, c'est quoi ce bordel ? Je vais me refaire le même truc. Effectivement, Gengetsu, si tu veux, tu peux tenter de t'enfuir par les escaliers. Bah, je tente. Ça fait un jet ou pas ? Ah, bah oui. Ok. Et Rin ? Ça passe. Rin, ah bah du coup, vu que tu as fait un échec critique, ils ont aussi remarqué Rin. Non, oui. Qui va elle faire... Elle était pas restée dedans ? Bah non, elle avait commencé à te suivre. Putain, mais je... Au pire, au moment où tu te retournes, tu dis fuis. Et. Bah, je la prends avec moi par la main. Oh, joli. D'accord, bah, il va falloir me faire un petit jet de force en plus. Ok. Ah, bah non, le jet de force. Ah, oui, non, c'est bon, je suis pas en démon, donc ça passe. Alors, jet de force juste pour tenir quelqu'un par la main. Non, mais c'est-à-dire que. C'est-à-dire que son jet d'agilité, c'était déjà pour passer dans les escaliers, donc. Ça passe. Je crois. Ok, non. Donc vous oui, si enfuyez tous les deux par les escaliers. Moi je suis encore là-bas. Hein. Kay ? Oui ? J'ai fini ou pas du coup ? Non. Ok. Il s'est pas passé beaucoup de temps. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et enfin, je suppose que nous on est toujours près du Kanoshi. Ouais. Ouais, il y a des chances. Bah, d'ailleurs, je pense que c'est à ce moment-là que je demande à Saga si elle a trouvé quelque chose d'intéressant. Ah, non, il semblerait qu'il n'y ait rien d'intéressant sur cette œuvre. Ah, dommage. Contre, désolé. Dès que tu dis ça, il y a la porte qui s'ouvre violemment et qui dit « S'il vous plaît, j'ai encore fait des conneries, vous pouvez m'aider ?» On s'en doutait pas. Attends, tu parles avec toi. Est-ce que je peux foncer vers ce mur-là ? Tout à fait. Et j'explique en route que j'explique que pendant que Sayuka le fait qu'il y a 3 ennemis plus 2 esprits là-haut et qu'ils nous foncent dessus. Mais du coup ils sont pas descendus ? Si si, ils vous suivent, hein, ils arrivent. Alors et moi, là c'est juste que comme tu as réussi ton jet d'agilité et de force, tu as pris une avance sur eux qui doivent se déplacer. En plus bon ils sont 3, donc bon pour les escaliers c'est plus compliqué. Je rentre dans la cour intérieure. Hein, d'ailleurs. Ils alors, arrivent. Moi, hein, pas de je vais essayer de me positionner au rebord de la porte pour essayer de leur tendre un peu une embuscade quand ils arriveront dans le couloir. Alors même si je suppose que j'aurai pas le temps d'y arriver. Je tiens toujours au rinage. Juste que je m'arrête. Hein. D'accord. Tu tiens. D'accord. Tu tiens. Bah je la mène dans le couloir. Quoi. Enfin dans la cour. D'accord. Ah, pour une fois que j'arrive à jouer ça correctement. Si on peut les encercler au moment où ils sortent de la porte, on aura un gros avantage tactique. Ah, tu veux dire passer de l'autre côté du couloir là ? Ah, je pensais moi, tu vois, si eux ils sortent, on arrive à les faire sortir un peu comme ça, et qu'on arrive à les prendre en tenaille, on aura un gros avantage tactique. Oui, vraiment, oui.
Attendez, là plus, du si coup. Si toi je voulais prendre par derrière, c'est que du bonus. Ouais, sauf que moi j'ai aucune puissance. Oui. Vu que Gayetsu les a provoqués en haut, ils descendent en fait. Ouais. Ouais, mais oui, c'est ça, on fait l'embuscade quoi. Mais je peux pas passer derrière eux, j'ai aucune puissance encore à corps moi. Bon, bah je vais tenter. Ok. Bon, moi je vais charger un projectile devant sur le bout effilé de mon éru et je vais le pointer dans le couloir sur la porte de l'escalier. De façon à. Moi je me mets sur le côté de la porte et j'attends qu'il y ait quelqu'un qui sorte. Les fées, voyant que vous attendez à la sortie, elles se mettent près de la porte. Nickel. Juste question, je peux. Enfin, en ligne droite, attends, est-ce qu'elle est là? C'est gentil, fait ça. Est-ce que je peux. Quelle distance je peux parcourir ici en amener. Enfin, avant qu'ils arrivent en couloir. Sachant que je viens déjà tout là-bas. Ouais, tu peux arriver jusque au prochain mur. Ok. Et là, ils arrivent. Donc, on considère que c'est un tour de combat. Gengetsu, tu les vois arriver. Toi qui as le plus d'agilité, qu'est-ce que tu fais? Je tente une attaque à travers le couloir. Ils sont combien dans le couloir? Pour l'instant, il y en a qu'un seul avec un esprit. Je retente d'invoquer Nobetsu dans le couloir. Ça passe. Pas. Non, ça passe pas. J'ai vu un 9, je me suis dit c'est un 6, et ben non. T'as voulu réinvoquer Gengetsu, mais. Non, Mugetsu. Bah, tu as voulu réinvoquer Mugetsu, mais tu l'as laissé en haut en fait. Ah, mais elle était invoquée? Ouais, je t'ai dit, elle est tombée devant le garde, c'est pour ça que là t'as pas réussi à l'invoquer. C'est à Aurine. Aurine qui va. Du coup, qui a mis ses fées en position de défense. Elle va simplement. Pour l'instant, elle va rester en retrait. Et c'est les fées qui vont attaquer. Ok, je peux poser une question rapide. Est-ce que cette porte-là est fermée? Non, elle est pas fermée. Ah mince, moi je pensais qu'elle était fermée. Non mais tu veux dire fermée ou verrouillée, Jama? Fermée, genre juste pas ouverte quoi. Ah non, elle n'est pas ouverte. D'accord, oui. Donc je veux dire, il faut tourner la poignée pour l'ouvrir quoi. Oui. Ok, on est d'accord, c'est toi qui me faut. Donc, les fées attaquent. Quoi? Mais comment c'est possible? Ou pas, d'ailleurs. Elle explose. Du coup, en fait, la fée, en fait, elle bouge un peu, elle s'avance pour lancer une attaque magique, et d'un seul coup, elle perd le contrôle de sa magie, elle tombe au sol, et l'attaque magique qu'elle avait commencé à charger lui explose à la face. se prend les dégâts. Pauvre Azuré. Ouais. La deuxième réussit à garder son calme et attaque le garde. Qui va attendre. Non. C'est lâcheté, ça. Les fées zombies, elles sont vachement efficaces, hein, car une réussite critique, elle pète deux esprits, alors qu'un échec critique, elle pète même pas. C'était deux esprits affaiblis. Certes. Donc le garde réussit à esquiver. Il se penche comme ça pour esquiver l'attaque et sourit un peu en voyant comment la fée s'est vautrée. Rin, c'est à toi. Alors je viens de me rendre compte que avec l'invocation ratée de Gengetsu. Rin qui s'est reculé et les deux fées qui ont raté leur attaque, on a perdu pas mal du potentiel d'embuscade qu'on avait, donc bon,
je veux dire. Bon, je sais qu'en tant qu'Irine, j'ai rarement l'occasion de dire ça, mais là, feu à volonté! Et je vais lancer une attaque magique sur. Sur le garde. Non, encore, ça ne passe pas. Tu tires, mais tu n'as pas un bon angle de tir. Hein. Ton tir atterrit dans le mur avant d'avoir même atteint la hauteur du garde. Ouais, je suis pas habitué à ce genre d'environnement de combat, moi. Je suis habitué à la nature. Oui, il y a la zombie qui a réussi. Oui, mais, ça a été esquivé. En parlant du garde, c'est à lui. Voyant que la première fée zombie est à terre, il fonce sur elle pour essayer de la planter avec sa lance. Ça passe pas, il fonce sur elle, ça passe pas alors qu'elle est au sol. Il était loin, il a dû parcourir une grande distance et il a eu du mal à l'évaluer. Il plante sa lance entre le bras et le corps de la fée. Qui s'en sort de justesse, l'esprit qui est derrière fonce sur la fée, elle est au sol, elle ne peut pas esquiver, elle se prend les dégâts et repart. Alors bon, dans les enfers, vous êtes déjà dans l'ancien enfer, mais elle se volatilise. Le deuxième garde rentre dans le couloir et alors le Kanushi reste un peu en arrière, le deuxième esprit suit également. C'est les deux invocateurs qui restent en arrière. Je dépense un mana de plus encore pour passer. Et je continue ici et je sais pas si je peux passer le mur et attaquer ce tour-ci, ça m'étonnerait. Non, tu peux pas. Ce sera pour le prochain tour. Ok, est-ce que je peux lancer quand même une attaque sur moi? Ouais. Car si je lance ignorer la magie sur moi, sachant que c'est le Kanushi qui est derrière, ça pourrait être utile au prochain tour. Après, j'ai une question aussi. Donc, est-ce que je peux, dans ma position à mon prochain tour, est-ce que je peux passer le mur, lancer une attaque et retourner dans le mur? Je suppose que non. Ah non, là, ça va faire beaucoup quand même. Ok, donc je vais lancer ignorer la magie sur moi. Ça dure deux tours, donc ça m'avantagera un petit tour. De toute façon, on est d'accord qu'ils sont trop loin pour faire des attaques physiques. Oui, enfin, il peut tenter de planter la deuxième fée. Oui, je veux dire sur ça. Ah oui, c'est gars. Elle est trop loin là. De toute façon, il la voit pas venir. Hein. Donc, Seiga, tu fais ça. C'est donc re à ton tour. Gengetsu. Ils sont plusieurs dans le couloir. Ils sont quatre dans le couloir, c'est ça? Au total, ouais. Ok. Mais ça ne passe pas. Du coup, tu te mets à découvert. Tu t'avances pour lancer tes Danmaku. Allez, tu fais un Danmaku à la Tchirno, c'est-à-dire que ça touche partout sauf les ennemis. Du coup, c'est au tour d'Orin qui, bon, bah, vu que tu t'es mis devant elle, de toute façon, ne peut rien faire. À part qu'elle va se décaler de l'entrée. Je me suis pas mis juste devant, je me suis mis juste à côté du devant. Donc, il y a la possibilité de quand même lancer des trucs. Oui, mais vu qu'il y a des. Oui, mais il y a déjà. Il y a déjà Rin. Oui, ouais. Il y a déjà Rin sur le coup. C'est pas là. Donc, oui, il y a déjà Rin. Donc, ça va pas être possible. Par contre, la fée, elle est toujours en position d'attaque. Elle réussit. Elle va attaquer l'esprit qui s'en est pris à sa congénère. L'esprit qui rate. Il se prend. Ouais. Il se prend pas beaucoup de dégâts parce qu'elle a pas fait beaucoup de dégâts sur cette attaque. Rin, c'est à toi. Alors moi, je suis en train de pester contre les murs quand même. Je veux dire. Ah,
à quel moment tu vois une falaise de roche, tu dis ouais, ce serait cool si on allait découper en morceaux bien droits, etc., pour s'abriter de la pluie ou je sais pas quoi, et c'est pas pratique pour les mouvements, quoi. Bon, moi, du coup, je vais essayer de faire un tir dans le tas. Alors, du coup, je sais pas si le. Je peux viser le garde directement derrière le. Oui, oui, tu peux parfaitement viser le garde derrière. J'essaie de tirer à nouveau sur le garde. Bon. Pas mal. Cette fois, j'ai réussi. Il va tenter d'esquiver. Et. Ah! Non. Attends. Si, ça passe. Ça passe! Si, si, ça passe, il esquive! Cette fois-ci, ton tir était très bien ajusté, ça allait vers lui, mais. Il était sur la défensive. Et il a esquivé. J'avoue que pour le moment, le combat, il est vachement positif quand même! Kai? Oui? Du coup, j'attends la fin du combat pour les trucs. La cuisine étant adjacente à la cour, il y a effectivement des fenêtres. Et Ringo, si tu regardes à la fenêtre, tu peux voir l'action se passer. Oui, non, alors. Non, je veux savoir juste si je quitte à ce moment-là, est-ce que j'en ai déjà fait un au moins? Tu as eu le temps d'en faire un. Ok, bah du coup, je le bouffe et j'y vais. Très bien. Je sais pas si tu as le temps de rafler, ça marche comme ça. Attends, je peux rajouter la vie du coup. Oui, si c'est ça que t'as préparé, oui. 13 plus 4, 17, tac. Par contre, j'ai pas envie d'aller à 13 par oui. Oui, tu t'avances pas plus. Je dirais même que t'as eu le temps de te mettre plus au niveau. À peu près. Ah bah oui, hein. Mais t'étais dans la cuisine, t'étais loin quand même. Tu agis, c'est au tour des gardes. Ce dernier. Je me mute 5 secondes, enfin, je suis là, mais. Il fonce essayer de. Planter la fée. Et. Ah ça ne passe pas du tout. Parfait. il plante. Plante, il transperce la fée et la plante dans le mur. Ah oui, quand même. Quoi? La plante traverse le mur. Non, non, pas à ce point-là, mais il la plante dans le mur et ça la tue. Quoi? Attends, quoi? Ça tue une fée zombie, ça la tue pas vraiment, c'est une fée, elle... elle risque pas grand-chose, mais... Je pensais que c'était le jeu du garde. En plus. Et il est donc face à vous, le deuxième garde à court. Les deux esprits vont attaquer. Allez, vas-y, esquive Gengetsu. Oh, mais on se fait défoncer dans ce combat. Ça passe. Ça passe. Le deuxième va attaquer Rin. Oui, c'est passe, non, c'est bon, c'est Clem. Je resquive. Non, non, Rin. Merci. Tu te prends les dégâts. Alors, 6. Je veux pas dire, mais il n'y a que moi qui a réussi un jet. Hein. Le Kanushi s'avance doucement. Il regarde quand même des deux côtés du couloir. Il reste au niveau de la porte. Vas-y, Seiga. À vous, tu fais juste ça parce que j'ai pensé à retourner. Ah, non. voyons, qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est juste que... C'est juste que là, c'est, en l'occurrence, c'est un long couloir. Ces deux gardes, ils sont mis d'un côté... il est pas bon de toute façon pour les attaques physiques. Il peut pas se mettre en avant parce que vu qu'il y a trop de monde pour faire une attaque magique, donc il préfère rester en arrière au niveau de la porte. Ok. Bon bah je vais redépenser un mana pour passer. Et je vais lancer une aura incandescente sur ce garde là si je. Lequel? T'es.
Un peu loin. Ouais, non, si plus celui-là. Hein. Ouais, bah alors, tant pis, je lance une attaque magique sur ce garde, Tu lances une attaque magique? Mais non. Mais qu'est-ce qui se passe là? Alors. C'est parce que j'ai pas utilisé les bras incendiaires, c'est pour ça, ça ne va pas. Alors, en fait, je crois que l'insulte de tout à l'heure envers le karma, ça s'est retourné contre contre Germain. Ouais, j'ai alors... fait d'insulte face au karma. Moi. Non, c'est moi qui ai fait une insulte. Ouais. Ludo, tu as très bien deviné ce qui se passe. Attends, comment je peux toucher Rinu Gengetsu? C'est pas possible. Mes attaques ne passent pas au travers comme ça de 4 ennemis. En fait, ça rebondit sur les murs. Moi, ça me touche pas. C'est censé être des aiguilles magiques qui se plantent sur le premier truc qui touche, mais... Je te laisse faire le Ouais, sauf que tu as trouvé en fait l'angle parfait où ça ne touche aucun garde, aucun esprit, mais où ça atterrit. Alors attends, j'ai une idée. Oh, je sais. Est-ce que ça fait genre, t'sais, imagine peut-être la caméra sur l'aiguille, tu sais, qui passe en dessous de l'aisselle d'un des gardes, qui passe au-dessus de l'épaule de l'autre qui était en train de se remettre du coup de lance qui venait de donner, qui passe à côté d'un esprit qui on a rien à faire, et puis qui termine dans le front de Gengetsu. Exactement, ça termine dans le front de Gengetsu. Alors qu'elle se penchait, parce qu'en fait, t'es la plus proche de la porte. Oui. J'ai droit à une esquive quand même. Ah bah non. C'est un critique. Tu l'as pas vu venir. Vu de profil, lorsqu'un personnage se prend une balle, souvent on fait une vue de profil avec un noir et blanc, tu sais, où on voit juste la gerbe et tout. Mais bon, là il n'y a pas la gerbe de sang, vu que c'est juste une aiguille, mais on voit juste l'aiguille. Tu sais, avec le mouvement en arrière. Kenketsu, tu te prends 8. Putain. Elle a combien de dégâts déjà? Moins reste, attends. Boum. Ah non, c'est un 2C. Tu te prends 8. Oh putain, ça enlève pas. Non, ça enlève pas, mais c'est un 2C. J'ai plus que 3 PV. Parfait. Bon, bah je vais passer en mode démon, hein. Alors attends, je voulais faire un truc. Alors, def 4, 13, 1, 11, 40, 44, force 95. C'est bon. Y'a Philly qui t'encourage à tirer moins de mauvais de vulgarité. Oui, je. Le Kanushi ne t'a pas remarqué, Saiga. Non, t'es pas sérieux. Je sais, y'a une poignée d'aiguilles qui est passée devant lui, il a fait. Ça doit être que le vent. Ah bah. Il a raté son jet. Gengetsu, donc, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, j'ai cru comprendre qu'on avait une last word. Donc, bah c'est le deuxième étage, il fait la même taille, fait la même superficie que le premier. Hein. Pas fou. Tu sais, dans le monde de tout, c'est loin d'être couru d'avance, hein, ce genre de logique. Hein. Si je quitte à ce moment-là, est-ce que j'en ai déjà fait un au moins? Tu as eu le temps d'en faire un. Ok, bah du coup je le bouffe et j'y vais. Très bien. Je sais pas si le temps de rafler, ça marche. Je me rajoute la vie du coup. Oui, si c'est ça que t'as préparé, oui. 13 plus 4, 17, tac. Par contre, j'ai pas envie d'aller à 13 par vie. Il a eu le temps de refroidir ou pas? Hein? Ah, il a eu le temps de refroidir. Pas direct, genre j'arrive là. Et surtout qu'en général, quand tu cuisines des trucs, tu les fais pas un par un, tu fais un truc et tu les mets tous au four en même temps, mais bon. C'est pas grave, on va dire.